choix. Je vous mens pas, je suis archi éclatée. Là je vais manger et ensuite on reprend et ça va être full révision et taf cet après-midi clairement. Du coup écoutez, là je viens de rentrer, j'ai fait les soldes cet après-midi, j'ai pas filmé parce qu'en fait j'ai pas emmené mon appareil photo parce que ça aurait été hyper chiant dans les boutiques, on va pas se mentir. J'ai acheté quelques petits trucs, donc je vais vous montrer. De toute façon, c'était que des trucs en solde et que des trucs que j'avais besoin parce que on sait. Cette année, déjà, je m'étais dit pour deux choses, j'allais pas faire les soldes pour économiser de l'argent. Et numéro 2, parce que on va pas se mentir, c'est pas foufou. Puisque quand on sait que ça alimente la fast fashion. Bref, voilà. Mais j'avais besoin d'un pull parce qu'il fait très froid en ce moment et que j'ai pas assez de pull. Enfin, genre en mode. Bref, j'avais besoin d'un pull
Et donc du coup j'ai pris lui parce que Los Angeles, Santa Monica, et que c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Donc le meilleur moment de ma vie dans un pull, évidemment, je l'ai pris et il est beau en plus. Donc écoutez, je suis contente, je l'ai payé 15€ à Stradivarius. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai failli en prendre un à Bershka, il était à 30€, c'était pas soldé du coup, mais il est un peu plus beau, on est d'accord. Après le but, je l'ai vraiment pris, pas parce que je le trouvais incroyable, mais pour le souvenir, bref. Au final, j'ai pris lui et voilà. Je verrai si je rachète pas un pull chez Subdid, sachant qu'il y a des belles promos et que vraiment les pulls Subdid, c'est vraiment les pulls que je mets le plus parce qu'ils sont hyper chauds et tout. Enfin bref, ils sont vraiment de bonne qualité en plus. Parce qu'ils sont, ils sont pas faits genre. Ça je pense, je sais pas où c'est fait, mais bon, c'est pas fou. En fait, Subdid c'est plus cher, mais c'est fait en Europe donc les conditions sont bien meilleures. Parce que là, ils disent désigner en Espagne, ok, mais. On sait pas où c'est fabriqué quoi. Disons que écologiquement et etc, ça doit pas être fameux. Mais bon, voilà. Après, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un coffret avec ces produits Herborian. Parce que vous savez que j'adore les produits Herborian. Ça, j'utilise tous les jours littéralement. Donc j'en ai repris, sachant qu'il était dans le coffret. Et que, genre, le coffret, il était à 35€. T'avais tout ça dedans. Au total, donc ces deux-là, ils sont à 60€. Donc c'était archi rentable. Et il y a ça en plus. Donc voilà, ça je ne m'en sers pas particulièrement, mais je suis contente. Bref, et du coup, là, je vais mettre mon petit pull, je pense, parce que j'ai un peu froid. Comme ça, attendez, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Portez. Je ne l'ai pas essayé, du coup, je vais voir à quoi il ressemble ce week-end, mais parce que c'est déjà le bazar. C'est super. Au moins, j'ai fini mon livre du bac de français que je dois lire depuis très longtemps et que je n'avais toujours pas lu. Bref, regardez ce qui rend. Je sais pas si vous voyez bien d'ici, mais je pense que c'est sympa. Ouais, j'aime bien. C'est basique, honnêtement. C'est un plus basique, mais c'est vraiment pour la valeur sentimentale, on va dire, que je l'ai plié. J'aime bien. Voilà. Donc, je suis contente. Bref, là je vais retourner à mes devoirs parce que demain j'ai un contrôle. Il faut absolument que je prenne de l'avance dans mes devoirs parce que du coup, les vacances de février, donc juste avant mon bac de français, je suis au Japon. Donc je vais pas pouvoir travailler. Donc en fait là, tout le temps que je vais avoir avant les vacances, ça va être du temps où je bosse honnêtement. Quasiment que pour les cours. Donc si je fais des vlogs et tout, je pense que la plupart de mes journées je serai là à bosser pour les cours, tout le temps presque. Mais bon, c'est comme ça. Et puis bah c'est parti. Ok, sinon j'ai complètement oublié de vous dire, pas vous dire hein, totalement, faut pas rêver, mais j'ai continué de travailler sur mon projet secret, si vous me suivez sur TikTok, Insta et tout, vous avez forcément déjà entendu parler, c'est un projet sur lequel je bosse depuis presque 2 ans maintenant, et dont j'ai jamais dit ce que c'était, mais là ça va clairement se concrétiser, et ouais. Là, on va rentrer dans le sérieux du sérieux. Donc vous allez pouvoir commencer à avoir quelques infos. Et j'ai hâte. Et bref, du coup, bah là, je m'en occupe maintenant sur cette petite chose pour recevoir les premiers prototypes d'ici la fin du mois. C'est l'objectif. Donc je vais gérer ça aujourd'hui. C'est parti. Thank you.